parmi nous. Oui, je le vois. Thank you.
faire que se passer en sa présence. Donc je vous invite à vous lever, nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue par ce programme, par nos vies, par cette rencontre, Père. Nous sommes réunis pour t'honorer, pour t'adorer. Et notre être nous voit ce que nous apportons sont si petits devant toi. Mais nous te l'apportons, Père, et nous te prions de le recevoir favorablement, Père. En ce soir, Père, que toute gloire te revienne. Viens nous honorer de ta présence, Père. Viens nous vivifier de ta présence et que nous rayonnons de joie à cause de toi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Donc, sans plus tarder, je vais inviter le premier groupe à nous rejoindre. Sachant que c'est Mitri qui reçoit, c'est Mitri qui commence. Donc, je vous laisse écouter leur chant. Thank you.
Je ne sais comment, mais merci Seigneur.
groupe assez nombreux qui nous vient de Créteil. Ils ont entre 7 ans et demi et 30 ans et plus. Je vous laisse écouter Ébloui. Qui parle de ce magnifique moment où on se retrouve à genoux devant un Dieu tellement grand qu'on se sent tout petit. On lui parle dans la crainte, parce qu'on se retrouve là devant lui. Car il est merveilleux. On est tout petit, on est ébloui. Je viens vers toi dans le secret.
monsieur. Alors tout de suite, on va poursuivre avec un trio 100% féminin cette fois. Donc Pour ta gloire, avec Ginelle, Isabelle et Pamela. Je veux.
Merci beaucoup, Amen. Je vous sens un petit peu timide et je voudrais que vous n'hésitez pas à encourager les personnes qui partagent avec vous. C'est parce que c'est pas juste un chant, vraiment. C'est quelque chose qu'on exprime, une parole qu'on exprime au Seigneur. Mais vous en êtes témoin, donc n'hésitez pas à les encourager, que ce soit par des Amen, par des Alléluia ou des applaudissements. Sentez-vous libre, on est ici entre nous. C'est une grande famille, une très très grande famille, mais on est entre nous. Tout de suite, on va écouter un morceau instrumental parce que les talents, ce n'est pas seulement que le chant. Dieu nous donne aussi des talents, d'autres talents. Et là, en l'occurrence, ce sera une saxophoniste avec un chant qui s'appelle « Mort à la laisser ». On écoute Fanny, merci. Thank you.
Fanny pour ce très beau morceau. Nous savons que si vous êtes venu ici, c'est pour certes écouter des beaux morceaux et des beaux chants, mais je pense que si vous êtes venu ici, c'est parce que vous voulez aussi vivre quelque chose et que vous voulez aussi ressentir quelque chose. Je pense que si vous êtes assis là, c'est pas seulement pour écouter des belles voix et des belles mélodies, mais c'est pour recevoir et pour pouvoir mieux donner après. Donc tout de suite, je vais laisser la place à notre intervenant, à Daniel. Donc il va se présenter, je vais lui laisser le soin de se présenter et il va partager un moment avec nous. Il a quelque chose à nous transmettre aujourd'hui. Donc je vais vous demander de bien vouloir prêter attention. Chers amis, chers frères et sœurs, je rends gloire à Dieu, je rends gloire à notre Maître d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Daniel Léaco, je suis depuis récemment pasteur stagiaire dans la Fédé Nord et j'ai beaucoup de plaisir à servir les églises de cette fédération. Et je suis impressionné aujourd'hui de voir autant de talents, autant d'œuvres d'art, autant de beauté à la gloire de notre Seigneur. Et vous savez, j'ai rarement vu une telle concentration de talents, une telle concentration d'œuvres d'art. Et quand je parle d'œuvres d'art, quand je parle de beauté, quand je parle de merveille, je ne parle pas seulement des représentations ici. Je parle de vous, de chacun de vous. Je parle de vous individuellement et je parle de vous collectivement. Gloire soit rendue à Dieu pour ces chants. Mais la plus belle louange que j'ai vue, c'était en entrant voir une scène, un petit enfant pris dans les bras par, je crois que c'était la grande sœur ou une amie, mais voir cette amitié, voir cet amour entre vous, voir cette chaleur, gloire à Dieu. Louange à soi, notre Seigneur. Aujourd'hui, je viens simplement vous poser, vous confier à un défi. Quand on vient ici, vous connaissez comme moi, on se prépare. On travaille sur les accords, les instruments, des heures et tout. Et, beaucoup de travail. Après, beaucoup de pression, juste avant. Et puis, on est là et on a du plaisir à louer, à être en harmonie, à être connectés les uns les autres. On a du plaisir à louer notre Seigneur par chaque harmonie qui sort de notre instrument, qui sort de notre voix. Dis gloire à Dieu. Après, vient les moments d'amitié, on est ensemble et c'est génial quoi. Et après, vient le moment où tu es seul face à toi. Vient le moment où tu rentres chez toi, dans ta famille, et tu es face à tes peurs. Tu es face à tes incohérences. Tu es face à tes rêves de louer Dieu dans chacun de tes actes. Et tu es seul aussi face à tes faiblesses. Et je rends gloire à Dieu pour chaque œuvre d'art qui sont ici présentes et qui sont présentées ici.
est le défi que j'ai envie de te présenter, auquel je te convie, frère, auquel je te convie, sœur. C'est de faire de ta vie une œuvre d'art. De faire de chaque instant de ta vie une œuvre d'art à la gloire de notre Seigneur. Amen. Et que chacun qui dise Amen, et je dis Amen avec vous, que ce soit un engagement. Mais pour que notre vie soit une œuvre d'art, il y a des étapes, il y a des choix, il y a une démarche qui est nécessaire de ta part. Il y a une position, premièrement, face à ce à quoi tu adhères. Une position face à ce que tu acceptes dans ta vie. Une position face au message que tu acceptes pour ta vie. Si une fois rentré chez toi, le truc dont tu te nourris, ce dont tu te nourris, tu sais que ça te détruit. Ce dont tu te nourris, tu sais que c'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ça va pas du tout dans le sens de faire de ta vie, de chaque instant, de chaque choix de ta vie, une œuvre d'art. Ça part de toi, mon frère. Ça part de toi, ma sœur. Ça part de comment tu te vois et quelle vérité sur toi tu as acceptée. Si tu t'es nourri seulement des messages du monde, du style des médias à caractère pornographique ou tout ça, la seule image que tu... l'image qui est transmise, c'est que tu es un objet sexuel. Et en aucun cas, cette image ne peut honorer Dieu. Si on accepte les images de la société, tu images du style, tu n'es qu'un pion. Tu dois rentrer dans la case qu'on t'a choisie. Tu vas faire le cursus comme un peu tout le monde et puis tu vas te poser là parce que tu vaux ça. Si tu acceptes ça dans ta vie, si nous acceptons ça dans notre vie, il nous sera difficile d'honorer Dieu par chacun de nos choix. Mon frère, ma sœur, la vérité que Dieu a sur ta vie, sur qui tu es vraiment, est la seule vérité qui puisse te construire, est la seule vérité qui puisse te faire du bien, est la seule vérité qui puisse faire que tu fasses de ta vie une œuvre d'art. Tu n'es pas rien. Tu n'es pas incapable. Ok, on a chacun nos défauts. Ok, on a chacun nos faiblesses. Mais mon frère, ma sœur, tu es un trésor. Un trésor de l'Éternel. Un trésor pour lequel Jésus-Christ a donné sa vie. Il a donné son sang pour toi. Tu es un fils et une fille de Dieu. C'est ça ta définition, c'est ça ton être vraiment. Et je t'invite à te nourrir de ça, à te nourrir de la parole de Dieu, à te nourrir de ces vérités qui te font du bien, et de mettre de côté
tout ce qui te détruit. Mais on sait chacun, franchement, on sait chacun quand les addictions qui nous détruisent, on sait chacun les médias qui nous détruisent, on sait les trucs, bon, ok, c'est pas trop ce que Dieu aimerait pour moi, mais bon, je suis... Il n'y a personne qui me voit, alors cool. Il n'y a personne qui te voit. Mon frère, ma soeur, tu portes le nom de l'Éternel. Tu portes sur toi le nom de l'Éternel. Le livre de Job nous dit la chose suivante. L'ennemi de Dieu se baladait et Dieu lui dit, il rencontre Dieu avec les fils de Dieu, avec ses fils enfants, et l'ennemi vient. Et l'ennemi, Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Et l'ennemi lui dit, oui, j'ai vu. Mais, accusation. Mon frère, ce que je veux te dire, c'est que à chaque fois qu'un ange de l'Éternel te croise, seul ou pas seul, il voit un enfant de Dieu. À chaque fois qu'un ange de l'ennemi te croise, même s'il ne peut plus t'accuser au ciel, soit, mais il voit un enfant de l'Éternel, qui porte le nom de l'Éternel. Et mon souhait, c'est que à chaque fois qu'un homme, qu'une femme te croise, qu'ils reconnaissent dans tes gestes, dans ton amour, un enfant de l'Éternel. Mon frère, sois ce que tu es. Tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de lumière. Incarne ce que tu es, incarne ce que l'Éternel a fait de toi. Ok, on a nos faiblesses. Mais l'Éternel peut te porter si tu fais le choix de le suivre. Pour faire de ta vie une œuvre d'art, tu as besoin d'être en connexion. En connexion avec ton Père. Pas avec les médias qui te détruisent. Pas avec les trucs qui te plongent dans des mensonges pas possibles. Tu as besoin d'être connecté avec ton Père, mais tu as un choix à faire. Il te laisse libre. L'Éternel lui-même dit, Caïn, le péché est couché à ta porte. C'est à toi de décider. On peut prier et Dieu peut nous aider. Mais à un certain moment, tu as un choix à faire. On a besoin d'être connecté à notre Dieu constamment. Et je t'encourage, je t'engage, chers frères, chères sœurs, à faire un choix concret, à faire des choix concrets, à prendre des dispositions pour changer de vie. Pas rester, oui, ok, on a écouté une belle prédication, et puis on a oublié. Non, on n'est pas là pour rester toujours dans la même galère, toujours dans les mêmes difficultés. Non, t'es pas fait pour ça. T'as besoin d'être connecté à ton Dieu et il sera ta force. T'as besoin d'être connecté à toi-même, à savoir qui tu es, à prendre soin de toi. Et t'as besoin d'être connecté à tes frères et à tes sœurs. Mais c'est étape par étape. Comment puis-je vraiment être connecté à mon frère? Oui, mon frère. Smile et doux, et dans mon cœur je souffre. Non, le vrai chemin, la connexion que Dieu t'appelle aujourd'hui, elle est triple.
elle commence par Dieu. Par les trois mots de la Bible. Au commencement, Dieu. Alors frère, sœur, je te laisse face à tes choix, ta vie. Et que notre Père, notre Seigneur, te bénisse et transforme concrètement ta vie. Que chacun de tes choix honore notre Père. Que chacun de tes décisions, que chacune de tes ambitions honore notre Père. Tu es ambitieux, tu es jeune, tu es ambitieux. Sache que notre Père est beaucoup plus ambitieux pour toi. Beaucoup, beaucoup plus ambitieux pour toi. Ose, ose le changement. Ose la prière. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Merci beaucoup pour ce message, Daniel. Je te remercie très chaleureusement d'avoir accepté cette invitation et d'avoir accepté de partager ce que tu avais à nous dire. C'était très, très fort et j'imagine que chacun a pu en tirer des profondes paroles pour soi. De pause, histoire de vous rafraîchir, respirer un peu. Et le chant que nous allons vous interpréter ce soir, le deuxième chant du coup, il vous invite à témoigner. Donc, qui dit invitation à témoigner, ça veut dire montrer ce que vous ressentez. Donc, nous allons vous inviter à vraiment montrer ce que vous ressentez. Donc, si vous sentez le besoin de vous lever, de chanter, de danser, faites-le, le chant est pour vous. Donc, n'hésitez pas à taper des mains. Faites ressortir la joie que vous avez en vous et donnez tout ce que vous avez. Et c'est avec plaisir que nous nous offrons ce chant. Bye.
N'hésitez pas à vous lever si vous voulez chanter, danser avec nous. N'hésitez surtout pas. On est là pour adorer notre Dieu, n'est-ce pas? Thank you.
Ta volonté, est-ce qu'il y a de mieux?
fois un saxophoniste qui va nous interpréter Total Prince. Thank you.
On voit qu'on a des jeunes talentueux. Pas qu'un peu talentueux, mais remplis de talent. Alors on agence un petit peu la chair. En attendant, j'espère que vous passez un bon moment. Il fait chaud, mais ça fait bien, on se réchauffe, on sent l'été qui arrive. Donc, parmi les talents, on a vu qu'il y a du chant, on a vu qu'il y a des saxophonistes de talent qui se soufflent. Et là, on va voir un autre talent, un peu plus différent, qui change un petit peu. C'est la langue des signes. Parce que Dieu est infini. Dieu aime la diversité. Et il ne donne pas le même talent à tout le monde. Il donne, généreusement, il donne à chaque personne un talent différent. Et là, aujourd'hui, donc on a deux jeunes filles qui nous viennent d'Épinay, qui vont montrer, qui vont parler à travers ce talent que Dieu leur a donné, à travers la langue des signes, et qui vont donc vous interpréter un morceau. Yeah.
talents variés, n'est-ce pas? Et là, on a pu le voir tout de suite, c'est très puissant, ça m'a beaucoup touché. J'imagine que ça vous a aussi touché. Tout de suite, on va poursuivre avec les jeunes de l'église de Cergy. Avec les jeunes de l'église de Cergy qui vont nous interpréter un chant. Je vous laisse les écouter. Tu es mon roi.
donc je ne vous inquiétez pas. Mais là, le moment des chants et des musiciens arrive à sa fin, donc je vous demande toute votre attention pour le dernier chant. Ils vont se dire qu'est-ce qu'il est en train de faire. Okay.
Bonsoir Mitri Mori. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui ne sont pas de Mitri Mori. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui ne sont même pas de notre confession religieuse. Mon frère, ça a été fini avec ça. On voit quelque chose qui fonctionne. Ça fonctionne ? Oui. D'accord. Bonsoir Mitri Mori. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui ne sont pas de Mitri Mori. Bonsoir. Et bonsoir à tous ceux qui ne sont pas de notre confession religieuse mais qui aiment simplement la musique et qui aiment nous entendre chanter. Bonsoir. Bonsoir. Laissez-moi voir vos mains. Tous ceux qui aiment nous entendre chanter qui ne sont pas forcément de notre confession religieuse. Laissez-moi voir vos mains. Allez-y. Vous ne me rendez pas mon au revoir. Hein ? Yeah. Maintenant je vous ai vu. Ça roule. Ok. Maintenant, nous allons baisser la tête juste une seconde. Juste pour marquer la transition, nous étions contents, l'émotion était là, nous avons chanté, moi-même j'ai vécu le chant, mais maintenant Dieu a une chose à nous dire avant que nous nous séparons. Pour que nous puissions entendre cette chose, nous devons nous reconcentrer sur nos faces. Donc maintenant nous allons fermer les yeux juste une seconde et nous allons nous concentrer. Fermons les yeux et nous prions. Notre Dieu et notre roi, tu as des choses à nous dire en cet après-midi. Nous sommes contents car nous avons chanté, Seigneur. Nous avons élevé ton Saint-Nom et nous nous sommes sentis près de toi. Mais maintenant, Père, tu as une parole à nous dire et tu nous demandes toute notre attention, Père, car tu as à nous parler, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous de pouvoir écouter, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit afin que nous puissions aussi comprendre, Père, et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai envie de vous raconter l'histoire d'un homme. Un homme qui a une vie qui ressemble à la vie de beaucoup d'hommes aujourd'hui sur Terre. Ce bonhomme, lorsqu'il était jeune, il a grandi à l'église. Il a eu une bonne vie à l'église, on a reconnu son don pour la plupart. Maintenant, cet homme, on a voulu faire de lui un grand dirigeant. Les choses se sont mises en place pour qu'il soit un dirigeant. Mais vous savez, lorsque on décide de faire de vous un dirigeant, la politique se met en place. Et souvent, vous subissez cette politique. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Et ce jeune homme a subi cette politique. Il a dû aller se cacher, fuir. Il a dû faire plein de choses pour fuir cette politique. Mais il était en phase avec lui-même et voulait aller jusqu'au bout de ce pour lequel il avait été appelé. Donc il s'est mis à se cacher, essayant de faire les choses en tout bon respect pour celui qui était là, déjà en place. Il a essayé de faire les choses correctement. Mais voici ce qui suit. Ce qui suit est que lorsqu'il a accédé au trône et qu'il est devenu roi, qu'est-ce que nous voyons dans sa vie? Quelle était la composante de sa vie? Qu'est-ce qui faisait de lui ce qu'il était? Nous retrouvons un homme adultère. Nous retrouvons un homme qui avait beaucoup de problèmes dans sa famille. Nous retrouvons un homme qui a des enfants qui se sont entretués. Nous retrouvons un homme qui a un fils qui a violé sa fille. Nous retrouvons un homme qui se retrouve dans une situation... Laissez-moi vous dire une chose. S'il fallait qu'un homme comme ça vienne et se présente pour être dirigeant dans cette église, je pense que beaucoup auraient dit non. Mais ce même homme a écrit quelque chose sur lequel je veux m'arrêter cet après-midi. Ce même homme a écrit quelque chose qui se trouve être la dernière partie de ce qu'on appelle des vies. Une série qui nous pointe vers le royaume à venir. Sommes-nous en face? Une série qui nous pointe vers le royaume à venir. Donc on parle d'un homme qui vit sur terre. On parle d'un homme qui a des problèmes sur terre. On parle d'un homme qui a du mal à gérer sa famille sur terre. On parle d'un homme qui a du mal à asseoir son ministère sur terre. Mais voici, il écrit une chose excellente qu'on a classée dans une série qu'on appelle la série, si vous voulez, des psaumes, qui nous tourne vers le royaume à venir. Suivez-moi bien. Cet homme n'est personne d'autre que David. D'accord. Cet homme n'est rien d'autre que David. Vous me suivez, chers amis? Donc, suivez-moi bien, chers amis. David, chers amis, n'a pas eu une vie facile. Et pourtant, au psaume 100, il écrit quoi? Pousser des cris de joie vers l'Éternel. Lorsque j'entends ça et que je regarde la vie de David, je me dis, mais hey, qu'est-ce qui est passé par la tête de David pour qu'il ait ce courage? Un homme qu'on a voulu tuer, un homme qui a tué, qui a pris la femme de l'autre, qui lui a donné un enfant de vie. Hein? Oui! Et ce même homme, chers amis, ce même homme crie, pousser des cris de joie. On dirait qu'il veut nous pousser à comprendre quelque chose. Le mot pousser, ici, veut dire, nous pousse à comprendre une chose. C'est comme si ce mot nous poussait à sortir de nous-mêmes des vies. Oui, je vais t'embêter. C'est comme si ce mot nous poussait à sortir de nous-mêmes, chers amis. Et ce même mot, chers amis, me renvoie. Ça, c'est mes études à moi personnelles. Je ne vais pas vous donner ça. Merci. Donc, me renvoie au psaume 2. Prenez le psaume 2 avec moi pour ceux qui ont leur Bible, qui ne sont pas simplement venus chanter.
si vous n'avez pas, il n'y a pas de souci. D'accord. Au psaume 2, il y a une petite phrase que j'aime beaucoup. On ne va pas faire tout le psaume 2. Le psaume 2 nous tourne vers un royaume aussi qui est à venir. Et c'est pour ça que j'ai fait le parallèle entre les deux. Mais regardez, il y a un petit verset qui m'intéresse. C'est le verset numéro 3 qui dit « Brisons leurs liens ». Pour bien comprendre ce qu'il dit ici, on va reprendre dès le verset 1. Le verset 1 dit du psaume 2 dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations ?» Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Et voici ce que l'auteur nous invite à faire, chers amis. Brisons leurs liens. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Vous connaissez cette petite chanson qui dit There is power in the name of Jesus to break every chain. To break every chain. Je n'aime pas cette chanson parce que ça me rappelle un mantra. Mais j'aime bien les paroles. Quand elle dit qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus afin de briser les chaînes. Alors lorsque David nous dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie. » David parle à des hommes, chers amis, qui ont compris que dans la louange, dans l'adoration, dans l'expression de nos talents pour Dieu, quelque chose doit se briser, chers amis. Ce qui doit se briser, c'est que nous arrêtons de nous focaliser sur nous-mêmes et nous nous tournons vers l'Éternel. Cet après-midi sur cette estrade, vous avez des gens qui ont chanté. Et s'il fallait que je les interpelle tous, je leur ai demandé, dis-moi, est-ce que tu te sens bien dans ta peau? Je suis sûr qu'il y en aurait une qui m'aurait dit, « Pasteur, j'ai des dettes, tu ne peux pas imaginer. » Je serais allé vers le jeune homme qui a joué de la trompette. Je lui ai dit, « Dis-moi, tu as tellement bien joué cette trompette cet après-midi. Ta vie est tellement long fleuve tranquille. » Je suis sûr qu'il m'aurait dit, « Pasteur, si tu as 100 euros, donne-moi. » Je serais allé voir un autre. Yeah. Je serais allé voir un autre. Peut-être qu'il m'aurait dit, « Pasteur, si tu savais, je roule une voiture sans assurance. » Mais ça ne peut pas payer. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, chers amis? Et pourtant, qu'ont-ils fait cet après-midi? Ils ont loué l'Éternel. Ils ont fait quoi? Louer l'Éternel. Chers amis, lorsque nous louons l'Éternel, quelque chose doit se briser. Quelque chose doit se briser parce que nous élevons le nom du Seigneur. Nous ne pouvons pas continuer à louer le Seigneur et être enchaînés, chers amis. Si je loue Dieu et que je pleure et que ces larmes sont simplement des larmes qui sont suscitées par l'émotion et rien d'autre, je n'ai rien compris. Je suis toujours centré sur moi-même. Mais si je loue le Seigneur et que je lève les yeux vers le ciel, chers amis, et que des larmes coulent et que ces larmes ne sont que le reflet, chers amis, du fait que j'ai été touché par Dieu. Suivez-moi bien, chers amis. Là, les chaînes tombent. Là, les chaînes tombent. Cet après-midi, lorsqu'ils étaient en train de chanter, ils ne pensaient pas à leurs problèmes. Cet après-midi, lorsqu'ils étaient en train de souffler dans cette trompette, ils ne pensaient pas à ces 100 euros. Cet après-midi, lorsque ces filles étaient en train de chanter, elles ne pensaient pas aux partiels qui arrivent. Elles ne pensaient pas aux difficultés qu'elles ont. Elles ne pensaient pas au fait qu'elles aient la tête sous l'eau. Mais elles ne pensaient qu'à une seule chose, élever le nom du Seigneur. Alors j'ai envie de vous dire une chose pour clore. Ça ne fait pas du bien pour une fois de se sentir libre, de ne plus avoir à penser à nos problèmes, de ne plus avoir à penser à ce que nous devons des vies, de ne plus avoir à penser à ces choses-là. Mais durant juste 5 minutes, pouvoir élever le nom de Dieu. Juste 5 minutes, pouvoir montrer à Dieu nos sentiments, sans qu'il y ait aucune chaîne, sans qu'il y ait aucun mur entre nous et lui, sans qu'il y ait rien qui nous empêche d'élever son Saint-Nom. David, lorsqu'il a écrit ce texte, poussé vers l'Éternel des cris de joie. David, c'est un juif. Mais regardez, il n'invite pas simplement les juifs. Souvent, on voit les juifs comme des gens sectaires qui ne souffrent pas aux autres. Mais voici le roi des juifs qui dit, poussé vers l'Éternel des cris de joie. Qui? Vous tous, habitants de la terre. Est-ce qu'il s'adresse aux juifs? Non, il s'adresse à tous les habitants de la terre. S'adressant à tous les habitants de la terre, David est en train de dire une chose. Habitants de la terre, reconnaissez votre Créateur. Redonnez-lui sa première place dans votre vie. Redonnez-lui gloire dans vos actes. Redonnez-lui gloire dans vos actions. Et louez son Saint-Nom. Louez son Saint-Nom. Car la liberté est en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Wilfried. Merci, Wilfried. Merci pour ce moment très intense. Merci. Alors, ce moment arrive à sa fin. J'espère que vous avez apprécié et j'ai pas oublié ce qu'on vous a donné.
Alors, je sais qu'on a pris un peu de retard, je sais qu'il est un petit peu tard, je sais que c'est la grève et que beaucoup ont hâte de rentrer chez eux. Mais je pense et je suis certaine que si vous êtes ici, c'est pas pour rien. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu vous a emmené ici. Et c'est parce que Dieu voulait que vous entendiez ce qui s'est fait sur la chair, ce qui s'est fait ici et ce qui va se passer là. Rien ne se fait par hasard. Si Dieu envoie ses enfants quelque part, c'est pour qu'il s'y passe quelque chose. Vous ne repartirez pas ici en disant « j'ai seulement passé un bon moment, j'ai entendu des beaux chants ». Je veux que vous sortiez et que vous soyez conscient que quelque chose s'est passé à l'intérieur de vous.